Salut à tous, un combat donc entre les cités-états de Sparte et d'Athènes. Ça se passe, le champ de bataille c'est en Attique, me semble-t-il. Donc j'ai pris des jeunes spartiates sur le flanc gauche. En fait j'ai fait vraiment une armée spartiate traditionnelle, c'est-à-dire flanc gauche faible, flanc droit assez fort. Même plutôt fort, ça c'est les héros spartiates. Et de la cavalerie, 4 cavaleries civiles, ou 5. De l'autre côté, notre ami athénien, il a des javelots, des peltastes, des archers, des frondeurs, de la cavalerie anti-cave, de la cavalerie hellénique, la cavalerie civile, des bretteurs, lignothorax. Phalange d'élite qu'on a vu passer, qui est là. Voilà. Donc il va essayer de me déborder, bien sûr, avec sa cavalerie anti-cave. Mais j'ai l'avantage de la hauteur et du fait qu'il manœuvre. Donc je me mets en diamant et je charge. Va être long ce combat. Donc les frondeurs de Sparte ont commencé à arroser et reculent parce que la cavalerie légère attaque. Ce sont des cavaleries javelinées. On va essayer de repartir, je pense. Pas il reste en général. Ça charge de partout. Et là, mon flanc droit qui contourne avec de la cavalerie. J'essaie de stopper la sienne qui arrive. Et je la stoppe. Donc là, j'ai fait passer des spartiates, les royaumes, les spartiates royaux, deux unités avec les héros qui vont arriver sur le flanc. Même sur l'arrière, sur le tard. Le tout c'est de tenir la ligne. Les combats sont hyper réalistes, c'est dingue. Avec les javelots qui rebondissent. Sachant qu'au départ il avait un petit avantage numérique par rapport à moi. Donc la cavalerie a fait son travail, elle a chassé la plupart des tirailleurs. La cavalerie du flanc droit, j'entends. Celle du flanc gauche, elle doit être toujours un petit peu engagée.
faut que ça tienne. Ça fait vraiment des gros gros pâtés d'infanterie qui sont dans le lard. Et voilà, là c'est la fin. Ils se font prendre par l'arrière. Et la morale tombe définitivement. Avec les héros qui chargent en tête. Et voilà. Et voilà, bon, on va se retrouver bientôt pour de nouvelles aventures de toute façon. Allez, salut à tous!